Depuis la nuit des temps, l'homme a fouillé la Terre à la recherche de son passé. Mais tandis que certains cherchaient à résoudre le mystère, un homme a trouvé le moyen de ramener ce mystère à la vie. Je possède une île au large du Costa Rica et j'ai consacré les 5 dernières années à créer une réserve biologique. Ici, sur cette île privée, la science a défié l'évolution. Où trouve-t-on le sang du dinosaure qui vivait il y a 100 millions d'années? La génétique a maîtrisé la création. Nous avons créé des attractions biologiques vivantes si fabuleuses qu'elles vont enflammer l'imagination de toute la planète. Et l'extinction des espèces. Et du domaine du passé. Bienvenue au parc jurassique. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans, King Kong? Aucune de ces attractions n'est encore prête, bien sûr, mais le parc ouvrira avec le circuit de base que vous allez faire. Hé, hey, regardez ça! Qu'est-ce que t'as vu? Les dinosaures et l'homme. Deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution vont tout à coup se retrouver face à face. Tu peux la toucher? Bien sûr. Comment serait-il possible d'avoir la moindre petite idée? T'as senti ça? De ce qui va se passer. Le détecteur tombe en panne dans tout le parc. Ah, oui, oui, gentil. Le téléphone est coupé. Faut que j'y aille. Universal Pictures présente... Hey, hey, ne bougez plus! Je ne peux pas remettre le courant dans le parc jurassique. Une aventure commencée il y a 65 millions d'années et qui continue aujourd'hui. Oh non. Ce n'est qu'un retard, c'est tout. Tous les grands parcs à thème ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, allez, rien ne marchait. Peut-être, mais quand les pirates des Caraïbes se détraquaient, ils ne mangeaient pas les touristes. Tu es sûr qu'ils ne pourront pas sortir? Oui. Sauf s'ils découvrent comment on ouvre les portes. Le parc jurassique.